annoncé lui. Route nationale numéro 2 pendant la circonscription Port-au-Prince, son monde qui a sorti direction sud ou bien qui a rentré dans la capitale là. Là, c'est une situation très chargée. Route lui-même est paralysée. Gros blocus depuis au niveau de la marine. Machine va monter, machine va descendre. L'arrivée de Fontama 43, gagné tout gros school bus, tout gros camion qui sorti. Et ça, c'est mon grand dans le sud, dans le sud-est, dans le nip. Moun qui sont achetés, qui vont venir vendre dans la capitale là. Ils n'ont pas qu'à passer, ils ont liquidé les marchandises, ils ont coûté des cartes qu'on est. Les projets alimentaires, ils ont fait gâter, ils ont obligé de et au niveau de Fontamarama, qui sont en zone, pas de machine qui a franchi pour rentrer dans la capitale là. Pas de machine qui a sorti dans la capitale là, pour rentrer au niveau de route Campo. Là, ce sont ces chargés de l'avion, la studio, bagaille vraiment compliqué. Ma famille, même c'est cette chargée, ils n'ont pas qu'à passer. Et leur vaisseau est passé, il y a des donations. Les blindés avancent sur mon campagne, les deux canapés partout rouge au niveau de Matissa et Fontamara. Les lames avancent sur mon obus de campagne parce qu'ils n'ont pas les victimes, parce que les blindés ont toujours tiré, et si monsieur est tourné, les blindés aussi. Et c'est ça que le toujours fait mon campagne, ils parlent de mon avancée, ils parlent de ce qui est passé, ils parlent de machines passées, une situation vraiment compliquée, n'importe quelle construction de Port-au-Prince. Qui groupe qui bloque la rue à Wisli? Et parce que nous connaissons deux camps. Là, on nous connaît au niveau de Fontamara 27-29. Là, nous connaissons un monsieur et qui sont là eux-mêmes. Ils ont vraiment bloqué. La population autour, mais ensemble avec eux, bloqué. Oui, par rapport avec ce qui a passé depuis deux semaines au niveau de Matissa, nous connaissons ça lui-même, c'est zone rouge. L'autre Matissa 23, là lui-même, ça c'est un cimetière. De temps en temps, il y a un monde qui mourut là-dedans. De temps en temps, il y a un team. Même l'hôpital se fonce lui-même. Les policiers de grands ouvriers qui suivent les gens ne peuvent pas rentrer parce que les zones n'est pas accessible. Mais les autres zones, Fontam et Matissan, Matissan 15, Matissan 17, Matissan 15, les gens ne peuvent pas franchir les zones parce que nous connaissons si M. Tilavi eux-mêmes, ils ont vraiment occupé ce pas ça. Ok, là, dit bloqué à qui ça? Est-ce que vous mettez machine, camion, barricade, ça lier? Les zones allées, même si vous avez barricade, barricade, en fait, avec espace. Mais c'est dans Fontamara 43, au niveau de voir les chaînes là, buffé, ils sont dans la rue, ils sont bloqués. C'est bien plus de machines, c'est bien la police qui a commencé à bloquer, mais là, ils ont commencé à rebloquer encore, machine pas monter, machine pas descendre au niveau de Fontamara 43. Qui ça a eu comme motif, Wisley? Motif, c'est le monde bloqué jusqu'à nouvel ordre, vous avez bloqué, pas de machine qui a monté, pas de machine qui a descendu, c'est ça nous apprendre comme information. Mais motocyclette passée? Mon conseil que tu vas aider de temps en temps pour ici, mais c'est avec un pile mix. Nous pas qu'à dire population, essayez de franchir périmètre de finir des matrices Fontamara 43 pour la mettre sous zone 27, 29 pour entrer dans la résistance. Sans nous reposer sur ça, on gagne 95 à 97% de chance. C'est 3% qui vaut. 97% au café du vieux, 3% de chance, c'est pour les sur qu'on a trouvé. Donc 97% pour perdre vue ou 3% pour combler, vous savez vous allez 3% pour vous parce que de toute façon, il y a des donations. Dans la sortie, on va écouter la sortie. Ok. Si la fête, on va écouter la fête. Ça veut dire, moi, quand je parle sur mon terrain, il y a toujours victime, je pourrais savoir parler. Très bien. Population, lui-même, avant cette vidéo, devant nous, dit moi, restez là, quand nous sommes en sortie dans le sud capital, pour entrer, parce que si nous sommes sortis dans le capital, pour prendre une de quatre départements, pas franchir, périmètre. Route nationale numéro 2, c'est une circonscription. Donc là, nous clairons une véritable frontière, là, ouais. Ou pas qu'à traverser, bon, frontière ça. Non, là, c'est une véritable tête chargée, le coin de nos yeux, là, le zone lui-même, les rouges, sont zones rouges. Là, nous avons périmètre Fontamara à 27, 40 chaboulés, barricade, tout barricade, nous mettons nous à couvrir le festival. Par contre, si monsieur dit, pas faire image, pas avancer, parce que nous-mêmes, il y a une bataille, nous-mêmes, nous pouvons mettre nous à couvrir pour nous faire, merci en pile, Wisley Désir. Donc, voilà. Matissan bloqué et Esaïe César, je crois que nous t'ai parlé sur ça. Vous avez dit que Kafou va le bloquer. Matissan est le premier émission dans le pays. Parce que nous toujours anticipé. Toujours. Nous toujours information. Toujours. Donc, nous t'ai dit que le pays va le bloquer. Donc, nous t'ai dit que dans mardi. Nous t'ai dit Kafou va le bloquer. Va le bloquer. Et nous t'ai dit dans mardi, monsieur yo. Font trêve là, pas dans Goumé, mais ils ont fait un campé sous bloqué. Et de fait, depuis mercredi, ils ont bloqué le pays. Ils ont bloqué 5 départements. Alors, il faut que vous compreniez bien, madame, monsieur. Il y a deux bagailles que Matin Débat te dit. Qui dit dans l'émission Matin Débat. Le premier bagaille qui dit, c'est que c'est serviteur blague qui te dit. Serviteur blague pendant la blague. Nous avons parlé en pile vérité.
serviteur blague te dit Haïti jodi a son pays de frontière. Voilà. Et de fait matin là, clair. OK, son frontière qui gagne donc en matissant. Ouais. Même pas rentrer, pas rentrer la caille. Ou pas rentrer kafou, kafou pas traverser. Voilà. Donc son frontière lié. Ouais. Non, mais maman la caille moi là, le la caille non. Ça c'est pour y bas là même. Le bas nous te dit dans matin débat. Chaille l'autre frontière. Non, chaille l'autre frontière. Le bas nous te dit dans matin débat, c'est que nous te dit que kafou va le couper du reste du pays et de fait depuis mercredi. Depuis mercredi, madame, monsieur, le kafou coupé du reste du pays. Ouais. Et dans ça, au bord de nous, sous place, qui dit nous là, qui c'est aussi désir. Même moto n'est empêché de faire passer. Pour traverser la Gounia, vous avez 97% de chance pour mourir. Claire. 3%, c'est 6 balles là par prendre. Parce que, par contre, qui vous traverser la Tissan aujourd'hui là. Et quelque soit mon capitaine de radio qui kafou qui dans le sud pays là. Qui voulait braver danger pour rentrer Port-au-Prince, n'a pas dit faut camper. Parce que dans le moment où on a parlé là, donc Matissan fermé. Donc monsieur mette barricade, de plusieurs barricades de Kone Matissan, moun pa ka traverser. Et au campé mine, et au campé mine à Zamio, oui. Sous barricade. Et au campé mine à Zamio, donc sous barricade. Qui ça, qui ça va le bien, madame, monsieur? Depuis avant hier, nous constatons que gagne. On l'autre lock. Il y a un minimum de distribution de gasoline. Mm-hmm. Ah oui, pompiers ont commencé à alimenter. Voilà, ils ont commencé à abrisonner. Yeah. Ok? Ah ben ça va passer jeudi, madame, monsieur. Ça veut dire que camion yo t'es commencé à traverser. Et bien avec barricade, ça n'a pas aucun gens pour camion gaz traverser encore. Donc, petit gaz qu'il a, probablement, il est fini parce que tellement il y a demande. Donc, on a toujours un article de gaz. Pour week-end ça. Alors ce que gaz là disponible. Alors ce que gaz là disponible. Disponible. Mais pas qu'à distribuer. Ouais. Et dans la bataille, monsieur, au niveau de Matissan, son bataille de marchandage, tout pour faire comme pour question gaz là. Parce que tout autant que le bloqué, gaz pas qu'à traverser, il faut négocier avec eux. Mais bataille qui est là, il faut que le gouvernement, donc Baïfe fait déjà à la police nationale d'Haïti. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Léon Charles, a déjà le feu vert. Et la police nationale d'Haïti renforcée. Vous avez dit que si le gouvernement ne peut pas marcher sous monsieur, donc il fait carré bloqué, il fait carré à tirer coup de zam, donc il fait carré mourir pratiquement dans le pays. Donc ou même qui est dans le sud pays qui veut entrer dans la capitale là, pas coller. Parce que rivé matisan, donc son prend ses pas, parce que il n'y a aucune chance là. Et pour t'a traversé et que pour t'a traversé en vie. Parce que ce sens-là, les minimes en pile. Il y a un avion avec une demoiselle, qui est en Floride à Loukodésir, qui est obligé de checker un billet d'avion pour aller chaque mail pour l'entrée Kafou. Kafou le bralé, bien même. L'objet pour avion. Le point avion, sous notre tiers là, à Eogala. Pour aller chaque mail. Pour aller chaque mail, pour le capable de l'entrée chaque mail pour l'entrée Kafou. Si. Est-ce qu'on a dit, ouais, tout gymnastique. Ça fait me songer, zone où t'es allé, zone qui n'a pas de route, là, les gens sont tout près là, Kaeli. Oui. Ils ont besoin de faire contour. Ouais, justement. Ouais, ouais. Pour le passer, alors que, il était quand même passé comme ça. Très bien. En 20 août, là, t'es fait, là. Donc, c'est même bien. Même bien, tout pour, mon Miagouane, qui est mon Miagouane, qui a parti là, qui parle États-Unis d'Amérique. C'est Jacques Mel, obligé pour un avion. Puis, il descend pour le prince, et puis, pour le prince, il prend l'autre avion, donc, il vous mène. Parce qu'il n'y a pas qu'à traverser Kafou, en tout cas. Bon, restez là. Nous parlons avec Editorial là. Et puis ensuite, donc, on a recevoir Robinson d'Haïti pour les commentaires. Et après commentaires, donc, on a rentré dans le dossier. Qui est sous table aujourd'hui, madame, monsieur? Donc, ce jeudi 24 juin 2021. Donc, sur Radio Éclair, également sur toutes les stations de radio. Roulez en cette émission province, également au niveau de la diaspora haïtienne. Je suis en allée avec Editorial. Haïti Révolution. Les flammes menaçantes de Monsieur Barbecue. Voici venue l'heure de la révolution, hurle Jimmy Cherizier alias Barbecue, ce mercredi 23 juin 2021, parmi des machettes grinçant des dents et des armes prêtes à cracher du feu. Ce chef, de bande armée veut marquer son époque de son empreinte et passé à la postérité par des actions révolutionnaires.
Le moins qu'on puisse dire est qu'il a un discours politique. Il charrie aussi des revendications sociales. Il appelle au pillage des banques et des maisons de commerce. De toute manière, il n'est pas un enfant de cœur. Le monde connaît très peu de révolutions qui se déroulent sans effusion de sang. À ce propos, mais sans certitude absolue, M. Barbecue appelle l'ancien président Jean-Bertrand Aristide qui faisait croire au peuple que la richesse de certains Haïtiens est responsable de la douleur des pauvres. Wash nan d'l'eau, pral kon doule, wash nan soleil. Donc, nous continuons notre chemin vers l'abîme parce que nous n'agissons pas pour rétablir la justice sociale, mais nous travaillons pour la vengeance sociale. En ce qui concerne M. Barbecue, c'est de la phraséologie révolutionnaire. C'est un premier pas et un bon pas. Mais qui le rejoindra pour qu'il y ait aussi un projet révolutionnaire? Personne. Alors, pourquoi? Le projet révolutionnaire qu'il nous faut aujourd'hui doit aboutir à une transformation sociale et au relèvement économique du pays. Tout chef de bande armée qui s'adonne à la violence, au viol et au vandalisme des biens privés en prétendant qu'il s'agit d'une révolution n'est qu'un révolutionnaire démodé et arriéré. À l'ère de la technologie, rien qu'avec un drone de combat, on peut éliminer un individu désagréable et embarrassant. Monsieur Barbecue et ses hommes figés au bout du fusil et de la lame pourront-ils faire aboutir les rêves? Robinson d'Haïti. Voilà, c'est l'éditorial et qui est même basé sous vidéo ça que groupe alors Barbecue et son groupe mettait d'ailleurs côté il y a pas crié et